Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette troisième séance Kiné-Onco. Je m'appelle Guillaume et je suis en compagnie de ma collègue Isabelle. On est tous deux kinésiologues à la Fondation Virage. Et aujourd'hui, on vous présente à nouveau de la théorie d'entraînement et des exercices simples à pratiquer à la maison. Donc, vous allez pouvoir vous joindre à nous. Si vous avez été des nôtres pour les premières séances, vous connaissez déjà un peu la théorie. On va faire des retours assez rapidement là-dessus. Mais si vous n'étiez pas des nôtres, eh bien, je vous invite après cet atelier-ci à aller sur le Facebook de la Fondation Virage ou du CHUM pour aller voir les précédentes vidéos. Alors, en fait, avant de commencer, j'aimerais faire un petit rappel. Donc, la formule, elle est adaptée pour les gens qui sont en traitement en oncologie. Mais si vous êtes débutant en entraînement, on va vous donner des conseils qui sont assez simples à suivre pour commencer à la maison. Donc, vous allez pouvoir suivre sans problème. Maintenant, pour les gens en traitement, donc, il est important de se rappeler que si vous êtes en chimiothérapie, c'est mieux de se reposer les jours des traitements et le lendemain. Et si vous avez des effets secondaires comme de l'anémie sévère ou une baisse importante des globules blancs, eh bien, il est préférable de se reposer, plutôt que de s'entraîner. Pour les gens qui auraient eu une chirurgie assez récemment, donc il est préférable d'attendre 4 semaines avant d'entreprendre des exercices et de n'avoir aucune douleur au lieu de la chirurgie. Et si jamais vous avez encore des doutes, vous n'êtes pas certain si vous pouvez suivre les exercices, il est toujours préférable de se référer à son personnel soignant avant de commencer. Bonjour tout le monde, pour une troisième semaine consécutive. Donc, on passe à la partie théorie avant de passer à la partie pratique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect vraiment très important pour notre clientèle. Dans le fond, c'est la douleur dans un contexte d'activité physique. Plusieurs d'entre vous souffrez de douleurs chroniques. Alors, on a souvent la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça lorsqu'on a de la douleur? On va aborder 3 aspects principaux avec l'activité physique. La douleur, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vraiment très, très complexe. Donc, nous, on va s'en limiter à 3 aspects. Le premier aspect, en fait, concerne l'immobilité versus l'activité physique. Une des questions que l'on a des gens, c'est que j'ai très, très, très mal. Est-ce que je dois cesser l'activité physique? Donc, il faut savoir que l'immobilité est plus dangereuse que l'activité en soi. Encore là, il faut s'adapter au mouvement, bien entendu. C'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui et les semaines précédentes. Donc, comment on va s'adapter? Il faut travailler notre amplitude de mouvement. On l'a mentionné dans les semaines passées. En fait, c'est important d'adapter avec qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce que les articulations sont permis de faire. En fait, j'ai passé un aspect important. Quand on parle d'immobilité et de danger, qu'est-ce que ça peut développer? C'est ce qu'on appelle la condition d'ankylose. La condition d'ankylose, elle est surtout retrouvée chez les personnes qui souffrent de douleurs arthritiques, comme l'arthrose, l'arthrite, et c'est ce qu'on appelle communément, les gens vont nous dire, ils se sentent ankylosés, c'est le mot qu'ils vont utiliser. Ils ont une lourdeur dans les articulations, moins de facilité à bouger, des raideurs. Alors, c'est important de continuer à bouger dans l'amplitude qui est permise. Donc, si je reviens à l'amplitude, donc, on va arriver à diminuer les mouvements. Aujourd'hui, quand je vais vous faire l'échauffement, je vais faire un échauffement avec des plus petits mouvements pour accompagner les gens qui devraient diminuer leur amplitude pour garder du mouvement dans l'articulation. C'est très important. La condition d'ankylose, en fait, c'est la condition qui va faire que l'articulation va se figer progressivement si on ne la met pas en mouvement. Donc, oui, c'est important de bouger. La deuxième condition dont je vais vous parler va faire référence à ce qu'on appelle le point d'inflexion de la douleur. Vous allez pouvoir voir un petit graphique pour vous illustrer plus facilement qu'est-ce que le point d'inflexion. Le point d'inflexion va s'adresser surtout aux gens qui ont une douleur très spécifique connue, qui est locale. Par exemple, à nos clients qui viennent d'avoir une chirurgie assez récemment, à nos clients qui ont des vieilles blessures, qui ont gardé des séquelles, ou encore à certaines personnes qui ont des métastases ou qui vont avoir des douleurs très locales. Donc, ces gens-là sont en douleur constante. La façon qu'on va travailler, c'est qu'on va vous suggérer de donner une cote à votre douleur. Donc, vous pouvez voir le graphique à l'écran, donc de 0 à 10. Si, par exemple, vous commencez avant même de bouger, vous avez une douleur à 3 sur 10. Une fois que vous allez commencer les mouvements, vous allez avoir une douleur qui augmente très légèrement, qui est normale, qui pourrait aller jusqu'à 4 sur 10. Et vous allez voir la courbe qui commence à augmenter. Donc,
il faut arrêter le mouvement à ce moment-là. Si vous sentez que le mouvement pourrait augmenter la douleur de façon exponentielle, de façon très importante, ça va être très important de cesser le mouvement. Dans le contexte qui nous occupe présentement, lorsque moi et Guillaume, on vous propose de faire des répétitions jusqu'à 10, mais il est possible que vous, votre point d'inflexion, il soit à 5. Alors, on vous demande d'arrêter le mouvement à 5 et simplement d'attendre le prochain exercice, tout simplement. Le fait de respecter votre point d'inflexion va faire en sorte que vous allez progressivement être capable de mieux bouger, de faire plus de répétitions dans le temps et au fur et à mesure que vous entraînez dans les semaines à venir. Je vais vous parler d'un troisième aspect, douleur versus activité physique, un petit peu plus tard, histoire de vous donner une pause dans votre entraînement. Fait que maintenant, on va passer à la pratique. Assurez-vous d'avoir votre équipement nécessaire. Cette semaine, on a le même équipement, donc c'est-à-dire vos poids libres, votre élastique pour ceux qui en ont, vos boîtes de conserve ou votre contenant avec une poignée et votre tapis de sol, un mur de disponible et une chaise. On est prêt à la pratique. Donc, on va commencer la période d'échauffement. Pour ceux qui voudraient limiter leur mouvement, savoir qu'est-ce que c'est, dans le fond, de faire des petites amplitudes, vous pourrez vous fier à mes mouvements. Et pour ceux qui peuvent, pourront se fier au mouvement de Guillaume qui va faire des mouvements plus complets. Donc, on va commencer par se positionner. Vous pouvez être soit debout, soit assis, je vous le rappelle. Et je vous rappelle la perception de l'effort qu'on a vu dans les semaines précédentes. Vous pouvez, dans la période d'échauffement, on vous recommande d'être dans la zone bleue. Donc, pendant tout temps, d'être dans la zone bleue. On commence maintenant. On va commencer avec des mouvements du cou pour 30 secondes. Alors, on va commencer cette semaine avec des petits mouvements de nom. Voilà. Donc, ajustez vos mouvements en fonction de qu'est-ce que vous ressentez. C'est comme ça que votre corps va pouvoir mieux s'adapter. Et on va poursuivre le mouvement du cou en changeant. On va faire des mouvements de oui. Ça peut être des tout petits mouvements, comme je le fais présentement. En fait, ça permet aux articulations de bouger entre elles et de garder qu'est-ce qui est encore mobile pour ne pas perdre davantage d'amplitude. Et on continue avec les mouvements d'épaule. Donc, les mouvements d'épaule, on va faire des petites rotations vers l'arrière. Donc, je fais des toutes petites rotations. Des gens qui pourraient avoir eu des chirurgies, par exemple, pourraient faire un tout petit mouvement à gauche et un plus grand mouvement à droite. Donc, il faut adapter en fonction du contexte. On pourrait inclure même des mouvements avec les bras pour ceux à qui c'est facile. Et on enchaîne avec notre marche sur place. Donc, on va commencer à simplement soulever les talons du sol pour amener une petite chaleur dans les chevilles. Et on peut voir Guillaume qui va faire des plus grands mouvements que moi, qui est plus confortable, tout simplement. Aujourd'hui, je vais vous amener un petit mouvement différent, en fait, pour travailler la coordination. On pourrait ajouter un mouvement d'ouvrir et de fermer les doigts en même temps, si on le peut. Et on continue en soulevant les genoux, si on le peut, très légèrement, si on a des amplitudes à respecter. Et là, on est parti pour 2 minutes. Qu'est-ce qui arrive dans votre 2 minutes? On souhaite que vous soyez à la fin de la zone bleue, à la fin du 2 minutes. Donc, si, par exemple, j'étais déjà à la fin de la zone bleue, je vais maintenir l'exercice tel que présentement, ou je pourrais même arrêter un certain mouvement ou diminuer notre amplitude. Et on continue en augmentant légèrement la hauteur des genoux, si c'est permis. Et on voit Guillaume qui fait des mouvements croisés, pour ceux qui le peuvent. Et encore 1 minute, ceux qui sont au début de la zone bleue, on accélère. On veut aller travailler en vitesse pour qu'à la fin de la zone bleue, à la fin de 2 minutes, vous soyez à la fin de la zone bleue. Et si vous êtes à la fin de la zone bleue déjà, on garde le même mouvement.
ou on pourrait même ralentir. Je vous rappelle que les symptômes qu'on peut ressentir, c'est un léger essoufflement, toujours en contrôle. On pourrait faire plus de mouvements de bras si on trouve que c'est encore très facile. On pourrait faire même des pas de côté, qui pourraient demander un petit peu plus d'effort. Encore 30 secondes. Et dans le même échauffement, on pourrait ralentir pour respecter l'intensité. Encore 15 secondes. On pourrait ressentir une chaleur dans les articulations. Et un peu plus de chaleur partout, dans le fond, dans votre corps. Et encore 5, 3, 2, 1, et repos. Prenez le temps de bien respirer, puis continuez à marcher doucement ou encore vous asseoir selon la condition qui vous le permet, selon ce que vous ressentez comme besoin. Prenez une gorgée d'eau, respirez normalement avant de passer à la prochaine partie qui va être la partie renforcement avec Guillaume. Excellent. Alors, maintenant qu'on est bien échauffé, on est prêt à travailler nos muscles pour aller chercher un peu de force, de tonus musculaire. Alors, je vous rappelle que pour la prochaine section, il est possible d'atteindre une perception d'effort de 3 à 5 sur l'échelle, les efforts qui sont moyens et même difficiles. Donc, si vous l'avez essayé dans les semaines dernières avec nous et qu'un effort, disons, difficile, vous causez juste un peu de courbature, un peu de fatigue, mais le tout était raisonnable, il n'y a pas de problème à le refaire. Par contre, si vous avez des courbatures qui étaient peut-être trop importantes ou qui vous limitent dans votre quotidien, il y a une fatigue qui s'est prolongée dans les jours qui ont suivi, mais là, il est mieux de redescendre un petit peu l'intensité. Donc aujourd'hui, on va faire 2 séries de 12 répétitions pour la plupart de nos exercices. Mais si jamais vous trouvez que c'est trop facile ou trop difficile, sachez que vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de répétitions à votre guise. Okay? Donc, on va commencer avec notre premier exercice. Ça fait déjà 2 semaines qu'on le pratique. Si vous le faites à la maison, vous devriez être rendu assez bon. Donc, on appelle ça le squat. Alors, c'est un mouvement qui va venir travailler un petit peu nos jambes. Donc, on va sentir un effort, surtout au niveau des cuisses, mais peut-être aussi les fessiers. En fait, vous pourrez sentir l'ensemble des muscles de vos jambes travailler et peut-être même les muscles au niveau du tronc. Donc, Isabelle, tu es prête? Moi, je vous montre un petit peu les variantes d'exercices qu'on pouvait faire avec ça. Donc, en commençant, on peut utiliser une chaise, venir s'asseoir sur la chaise comme ça ici. Vous pouvez utiliser les mains pour vous aider. Donc, plus on pousse avec les mains sur les cuisses comme ça, plus ça va être facile. Mais si jamais vous avez de la facilité, on oublie ça, les mains, on ne les utilise plus. Vous allez pouvoir les garder croisées au corps comme ça ici. Donc, on s'assoit et on se relève. Et si vous êtes assez bon, Isabelle va le faire sans la chaise. Donc, on vient s'asseoir, mais sans appui. On fait attention pour ne pas se ramasser au sol et on vient porter les mains devant pour nous aider à stabiliser. OK? Donc, on va pratiquer 2 séries ensemble. Puis, oui, dernière petite étape, si jamais vous avez encore de la facilité à le faire sans la chaise, vous pouvez prendre une charge dans vos mains. Donc, Isabelle, actuellement, a une boîte de conserve, mais vous pouvez aller avec quelque chose de plus lourd, même un bidon de vinaigre, un bidon d'huile d'olive. Si vous avez un petit chien, un petit chat à la maison qui est docile, ça peut être ça aussi. Donc, je vous laisse choisir votre charge. OK, donc on y va tout le monde. 2 séries de 12 répétitions. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Moi, je vais le faire avec la chaise. Donc, 1, on descend doucement. 2, la dernière fois, on a parlé un petit peu de respiration. Donc, on se souvient qu'on va essayer d'inspirer dans la descente et d'expirer en montant. Alors, si vous y pensez, tant mieux. Si vous arrivez à le faire, c'est parfait. Mais si c'est un peu compliqué à combiner avec le mouvement, l'important, on se souvient, c'est de continuer à respirer. Donc, on ne veut juste pas bloquer la respiration. J'espère que tu comptes les répétitions, Isabelle. OK, encore 2 autres. Et une dernière. Parfait, OK, super. On va prendre une petite pause. Alors, on se pose la question à nouveau. Est-ce qu'on a atteint un effort qui était raisonnable sur notre échelle? Donc, si c'est facile pour la prochaine, soit on augmente le niveau de difficulté en prenant, par exemple, une charge ou en augmentant le nombre de répétitions. Donc, pour nous ici, on va garder, moi, c'était parfait. Je vais garder ma variante, puis on va rester à 12 répétitions pour notre deuxième série. Moi, je vais m'adapter. Je vais diminuer mon amplitude de mouvement, dans le fond, parce que ma première série était plus exigeante. Donc, je vais faire des répétitions avec aucune charge et un petit peu moins d'amplitude. Parfait, c'est bon. Donc, on y va pour la série 2, tout le monde. On passe ça dans 3, 2, 1, c'est parti, 12 répétitions. On descend et on remonte. Donc, on remarque bien qu'Isabelle
descend un peu moins bas que tantôt. Donc, il y a moins de flexion au niveau du genou, moins de stress un petit peu. Et puis, si vous avez des douleurs, des fois, ça peut prévenir donc, les douleurs d'aller un petit peu moins bas. Alors, on respire bien. Encore 6 répétitions. Huit, encore quatre. On respire. Deux autres. Et une dernière. Excellent. OK. Fait que je vous rappelle que lorsqu'on travaille les jambes comme ça, c'est des grosses masses musculaires, ça donne chaud. Et c'est pas mal parmi les exercices musculaires qui vont être les plus essoufflants. Nos muscles, c'est des grosses jambes. On a besoin d'oxygène pour travailler. Alors, plus on a besoin d'oxygène, plus on est essoufflé. Donc, ne soyez pas surpris si vous êtes un peu essoufflé à la maison. OK. On va poursuivre avec un exercice. En fait, on va laisser nos jambes tranquilles. On va aller travailler davantage au niveau du haut du corps. Donc, on va travailler les muscles de nos bras, nos épaules et le haut du dos. Donc, pour ce faire, on va avoir besoin, si vous en avez à la maison, d'un élastique. Donc, on fait un petit rappel. Si vous avez un point d'attache, on va attacher l'élastique sur une patte de meuble qui est solide, une poignée de porte, quoi que ce soit. Vous pouvez demander à quelqu'un de le tenir comme nous, on va faire aujourd'hui. Donc, une poignée dans chaque main. On va venir appliquer de la tension à l'élastique et on va venir tirer l'élastique vers soi. Donc, Isabelle, en faisant ça, regarde la tête droite, la tête haute. Elle vient coller ses omoplates dans le dos. Et c'est comme ça qu'on va aller travailler les muscles du haut du dos. Maintenant, si vous n'avez pas d'élastique à la maison, on va prendre une charge, donc soit une boîte de conserve, un pot de vinaigre. Donc, on va placer une jambe en avant comme ça ici, un pied en repli en arrière, et vous allez venir tirer la charge vers le plafond comme ça ici. Donc, si vous trouvez que c'est difficile de maintenir cette position-là, n'hésitez pas avec l'autre main à vous tenir sur un appui. Ça peut être un comptoir, un dossier de chaise, un meuble, il n'y a pas de problème. Excellent. Donc, je vous laisse choisir votre variante d'exercice, donc élastique ou charge. Moi, je vais prendre une charge également, tiens. Alors, attention, préparez-vous, on y va pour 12 répétitions. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Alors, et 1, 2, on se souvient que pour la respiration, on va essayer d'expirer notre air en tirant et d'inspirer sur la descente. Donc, encore une fois, ce n'est pas évident à faire, on est concentré, on pense à notre mouvement. Et là, en plus, il faut respirer avec le bon rythme, ça, c'est pas évident. Encore 5 répétitions. 2 répétitions supplémentaires. On est à 12 aujourd'hui. Et une dernière. Parfait. OK. Petite pause. Donc, si vous utilisiez l'élastique, donc une poignée dans chaque main, on va refaire ça une deuxième fois. Si vous utilisiez une charge, comme on vient de le faire, moi et Isabelle, n'oubliez pas de changer de main pour la deuxième série. Ça va être très important. Encore une fois, moi, je vais m'adapter pour ma deuxième série, donc qui était trop difficile par rapport à une douleur à l'épaule. Alors, je vais faire l'exercice en position complètement debout, dans le fond, à la verticale, sans charge, simplement pour mobiliser mes muscles au niveau de mes omoplates. Parfait, OK. Donc, on est prêt? Série 2, OK. En position, pour 12 répétitions, et c'est parti. Alors, on tire et 1. On y va en contrôle. 2, on ne bouge pas trop vite. 3, on respire. 4, 5, 6, on est à mi-chemin, tenez bon. 7, 8, encore 4, 9, 10, 2 répétitions, 11 et une dernière pour 12. On continue, si jamais c'est encore trop facile, vous pouvez filer jusqu'à 15 répétitions, il n'y a pas de problème. Pour nous, ça va être ça. Alors, n'hésitez pas à prendre une petite gorgée d'eau, on peut prendre une petite pause. Il nous reste encore quelques exercices à voir. Donc là, on vient de travailler davantage les muscles du haut du corps. On va retourner travailler un petit peu les membres inférieurs, donc nos jambes. Alors, on poursuit avec un exercice d'équilibre. Alors, première étape, si vous n'êtes pas encore familier avec nos exercices, donc l'étape la plus facile, si on regarde les pieds d'Isabelle, donc elle va avoir un pied devant l'autre, un peu comme si elle voulait garder l'équilibre sur un fil. On vous conseille de commencer avec une main en appui
sur un meuble, un dossier de chaise. Et puis, une fois que vous êtes assez à l'aise, on va relâcher l'appui. Vous pouvez également distancer des pieds. Donc, si c'est un peu trop dur pour vous, plus il y a un espace entre les deux pieds, plus ça va être facile. Donc, on peut commencer comme ça et éventuellement venir placer des pieds un devant l'autre. Maintenant, si ce genre de variante-là est beaucoup trop facile pour vous, on y va simplement sur une jambe. Alors, à nouveau, on va tenir un appui sur quelque chose de solide et on va venir se placer sur une jambe. Donc, quand vous faites ça, assurez-vous de garder la jambe d'appui au sol, donc avec un genou qui est légèrement fléchi, le pied qui est bien à plat. On a la tête haute, une bonne posture. Et puis, ben là, ça commence déjà à se compliquer un petit peu. Mais si vous êtes encore bon, c'est encore facile, on a encore deux étapes, vous pouvez balayer la tête. Donc, vous regardez de gauche à droite, on balaye du regard et là, on va aller un peu se déstabiliser. Donc, plus de travail là, musculaire pour compenser ça. Et dernière étape qui est encore plus difficile, et là, si vous le faites, commencez en vous tenant ou assurez-vous du moins qu'il n'y a pas d'obstacle, vous pourriez chuter, vous cogner. Donc, on va venir fermer les yeux. Alors, ça, c'est pas évident. Donc, puis là, Isabelle, en plus, est capable de combiner les deux. Donc, fermer les yeux et bouger la tête, ça, c'est la totale. Vraiment, si vous faites ça, écrivez-nous sur le chat, on vous félicite. Donc, on va y aller pour 35 secondes. Isabelle, il faut que tu gardes les yeux ouverts pour ton chrono. Moi, je vais laisser les yeux fermés. On va voir ce que ça va donner. Donc, on part ça dans 3, 2, 1, et c'est parti. Donc, 35 secondes. On va sentir un effort surtout au niveau de la cheville, de la hanche, le mollet peut-être. Donc, il y a beaucoup de muscles qui vont travailler. Oups. Puis, je vous rappelle que ce n'est pas grave si vous n'avez pas le 30 secondes de manière consécutive. Vous pouvez mettre l'autre pied à terre, vous replacer. Le but, c'est de travailler pendant 35 secondes sans vous arrêter. Encore 10 secondes. Respire. 3, 2, 1 et stop. Parfait. Ça a commencé à chauffer un peu au niveau des chevilles. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite. Donc, on prend une petite pause. On va le faire maintenant sur l'autre jambe. Donc, si vous étiez sur une jambe, on change. Si vous aviez un pied devant l'autre, on inverse le rôle des pieds. Et puis, on va être prêt pour notre deuxième série. Donc, en position, on part ça dans 3, 2, 1. C'est parti. De l'autre côté. Oh, ça, c'est pas ma cheville forte. Respire. On se rappelle que les genoux sont un petit peu fléchis. On n'a pas la jambe qui est complètement barrée. Allez, on tient bon. Oups, j'ai touché un peu. Encore quelques secondes. 10. On va l'avoir, on va l'avoir. Et 3, 2, 1. Stop, parfait, excellent. OK, donc c'est complet pour notre troisième exercice. La semaine dernière, on vous présentait donc deux nouveaux exercices, donc le push-up et des exercices d'abdominaux. On va commencer avec le push-up. Alors, Isabelle va nous montrer le push-up au mur. Donc, super simple, ça vous prend un mur qui est dégagé. Alors, on va avoir les mains environ à la largeur des épaules, environ à la hauteur des épaules. Il y a un espace entre les pieds et le mur, donc environ deux pieds de distance. On s'assure d'avoir les genoux qui ne sont pas barrés. Et puis, on va les descendre tranquillement. Donc, on fléchit les coudes, on approche le visage du mur et on pousse contre le mur. Donc, c'est très simple à faire. Si jamais vous avez les épaules qui montent vers les oreilles, assurez-vous que ça ne fasse pas ça finalement, que les épaules restent basses et on bouge avec beaucoup de contrôle. Ah, Isabelle, le fait que le sourire aux lèvres, c'est parfait. Donc, pour ma part, ben, je vais aller au sol et puis je vais utiliser des boîtes de conserve comme charge. Donc, je vais en prendre juste une pour vous le montrer puis garder mon micro en main. Ah, ben Isabelle, OK, vas-y. Tiens, je vais te laisser le faire. Donc, on utilise des charges qui sont égales toujours. Donc, si vous avez deux boîtes de conserve, assurez-vous qu'ils pèsent la même chose. Et puis, on va garder les coudes le long des côtes et on va venir pousser nos charges vers le plafond. Donc, essayez de contrôler le mouvement. Ça risque de vouloir bouger dans tous les sens un petit peu, c'est normal. Et puis, pour le confort de votre dos, on vous recommande d'avoir les pieds à plat au sol et les genoux fléchis, comme Isabelle le fait en ce moment. OK. Donc, on vous laisse prendre place, soit près d'un mur, soit au sol. Si jamais la version au mur du push-up est trop facile pour vous, je vous rappelle que c'est possible de le faire en appui sur un comptoir ou sur un meuble qui est solide. Mais rappelez-vous que plus le comptoir ou le meuble va être bas, plus ça va être difficile. Donc, il faut faire attention pour ne pas aller trop bas en commençant. Donc, on se met en position.
12 répétitions. OK. On y va, Isabelle, dans 3, 2, 1. C'est parti. Et 1. On bouge lentement. 2. On respire. 3. Donc, l'expiration se fait au moment où on pousse et on inspire sur la descente. On est à 5. 6. 7. On est bon. 8. Encore 4. 9. 10. Et deux dernières. 11 et 12. Parfait. Donc, on prend une courte pause. On va refaire tout ça une deuxième fois. Alors, les muscles qu'on devrait sentir travailler, bien, il y en a plusieurs. Les bras, surtout derrière les bras ici, ce qu'on appelle les triceps, les épaules, mais également les muscles des pectoraux. Si vous êtes nouveau en entraînement, souvent, on ne sent pas tout à fait les bons muscles travailler au début. Donc, si vous le sentez dans les oreilles, bien, c'est possible. Tant que vous n'avez pas de mauvaise douleur en faisant l'exercice pour l'instant, ça va aller. Donc, Isabelle, ça va? OK, série 2. En position, j'espère que tes cannes sont performantes. Vous nous écrirez à la maison savoir quelle marque de boîte de conserve va le mieux. Alors, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Série 2. Et 1, 2, 3, 4. Ça va bien. 5, on arrive à mi-chemin. 6, on ne bloque pas la respiration. 7, 8, encore 4, 9, 10, plus que 2, 11 et 12. Excellent. Parfait. OK, donc là, c'est complet pour le push-up. Maintenant, je vais laisser la chance à Isabelle de se relever quand même. On va venir travailler un petit peu nos abdominaux. Donc, si vous avez un élastique et un point d'ancrage, on va s'en servir à nouveau. Je vous rappelle que vous pouvez demander à quelqu'un de tenir l'élastique comme on le fait aujourd'hui. Donc, Isabelle va prendre l'élastique. Donc, les deux extrémités, on les tient à deux mains. On va les tenir près de l'abdomen, comme ça ici. On engage nos abdominaux, donc on rentre un peu le nombril. Et puis, on va venir tranquillement avancer les mains. Donc, l'élastique tire pour faire tourner Isabelle vers sa droite, mais elle, avec ses abdominaux, elle empêche ça, elle résiste. Alors, plus on va éloigner les bras, plus on va sentir la pression dans les abdominaux qui s'accentue. Donc, si vous faites cette variante-là, n'oubliez pas, à chaque série, de changer de côté, donc de vous retourner pour travailler dans les deux sens. Et notre autre version, donc la planche au mur. Alors, tantôt, moi, je faisais un push-up contre le mur. Isabelle va avoir cette fois-ci l'avant-bras qui est bien en appui contre le mur. Donc, le coude et la main est appuyé. On va avoir encore une fois une distance du mur au niveau des pieds, environ 2 pieds de distance, et on tient la position. Donc, Isabelle est en train d'engager ses abdominaux, elle rentre le nombril et on tient cette position. Donc, il n'y aura pas de mouvement. Alors, on ne compte pas de répétition, on va compter du temps pour cet exercice-là. OK. Donc, Isabelle, tu y vas avec la planche au mur. Parfait. Moi, je vais utiliser la planche contre la chaise, en fait. Donc, on l'avait montré la dernière fois. Alors, je vais descendre un peu ici. Je vais venir appuyer mes avant-bras sur la chaise et je vais venir me tenir en position sur la pointe des pieds. Ça va être un petit peu plus difficile. Alors, tout le monde, on y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Isabelle, tu as le chrono? OK. 35 secondes. Donc, pour la planche, on se souvient, on ne veut pas avoir les genoux qui sont complètement barrés, une légère flexion. Et on rentre les abdominaux, on rentre le ventre volontairement. Pour ceux qui font la version que j'utilise en ce moment, si jamais ça commence à être un petit peu plus dur, on peut prendre des pauses, déposer les genoux au sol et remonter en position planche. 5 secondes, c'est presque fini. 3, 2, 1 et stop. Parfait. Donc, on va prendre une petite pause. On va refaire tout ça une deuxième fois. Lorsqu'on travaille en planche, c'est très important de ne rien sentir au niveau du bas du dos. Donc, si vous commencez à avoir une pression, une douleur au niveau des lombaires dans le bas du dos, il est préférable d'arrêter l'exercice. Assurez-vous que vous avez bien engagé vos abdominaux et que vous aviez une bonne posture. Donc, souvent,
quand les gens vont vouloir adopter une bonne posture, on va venir exagérer un peu la position et venir arquer le dos. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de vous créer un creux dans le bas du dos, qu'on reste neutre au niveau de la colonne et on engage les abdominaux. Donc, Isabelle, tu es prête? Série 2? OK. Alors, je me remets en position. Et on y va dans 3, 2, 1. C'est parti, 35 secondes. Excellent. Alors, on respire. Tenez bon, il commence déjà à faire plus chaud ici. À la maison aussi, il devrait commencer à faire plus chaud. Ça tombe bien, c'est une journée qui est pluvieuse. On risque de peut-être pas trop sortir de la maison. Donc, au moins, on aura bougé aujourd'hui. Et 3, 2, 1, stop. Parfait, OK. Alors, on a déjà 5 exercices en banque. Il nous en reste un dernier. C'est notre nouveauté de la semaine. Mais avant de vous montrer ça, on va prendre une petite pause et je vous laisse en compagnie d'Isabelle pour encore un peu de théorie. Bonjour tout le monde. Je vais reprendre mon souffle, moi aussi. Donc, on va vous donner une pause en vous parlant du dernier aspect concernant la douleur, qui est très importante, les fameuses courbatures. Donc, les courbatures, ça, il faut savoir que tout le monde peut être touché par les courbatures. Qu'est-ce que c'est, en fait? C'est vraiment lorsqu'on a utilisé notre muscle d'une façon qui n'était pas habituée. Donc, soit on a travaillé plus fort, on a forcé plus fort, soit on l'a utilisé de façon plus longuement. Et puis, c'est une façon pour notre groupe musculaire de s'adapter à l'effort pour qu'il devienne de plus en plus fort. Il faut savoir que ce n'est pas dangereux, mais c'est désagréable. Alors, c'est une douleur qui va arriver de 24 à 48 heures après avoir fait l'effort. Ceci dit, vous avez vécu avec nous les deux précédentes semaines. Peut-être qu'il est apparu des nouvelles douleurs. Peut-être que c'était un peu inquiétant. C'est une douleur qui va atteindre son pic de 24 à 48 heures après avoir fait l'exercice et qui va commencer à rediminuer par la suite et parfois peut même durer jusqu'à une semaine après l'exercice lorsque le muscle est très peu entraîné. Ce qui est intéressant de savoir dans ça, c'est que si vous recommencez le même exercice, quelques jours plus tard, mais votre muscle va s'adapter, va devenir plus fort et plus endurant et vous allez ressentir de moins en moins cette douleur-là et de moins en moins forte également jusqu'à ne plus le ressentir, en fait, jusqu'à ce que vous réaugmentiez la charge à nouveau ou le type d'exercice que vous allez faire. Donc, à retenir, c'est une douleur qui est désagréable, normale et non dangereuse et souvent, c'est un passage, en fait, d'adaptation du groupe musculaire. Donc, ceci dit, j'espère que vous n'aurez pas trop de courbatures, mais c'est normal d'en ressentir. Et là, on vous en parle de ça maintenant parce qu'on s'apprête à faire un nouvel exercice, donc peut-être des nouvelles courbatures à venir. Oui, c'est ce qu'on appelle communément être raqué. Donc, peut-être que vous allez l'être un petit peu là, demain. Donc, on vous présente un nouvel exercice qui vise à travailler les muscles de la chaîne postérieure. Donc, les muscles sont, par exemple, derrière les cuisses, les fessiers, le bas du dos, mais également même les mollets. Donc, Isabelle va commencer avec une première variante au sol. Donc, elle va avoir les pieds bien à plat, les genoux fléchis à environ 90 degrés. Et les épaules sont détendues. Le cou est détendu, la tête est lourde. Donc, on veut travailler avec le bas du corps. On ne veut pas trop engager les muscles des épaules et du haut du corps. Et elle va venir tranquillement soulever le bassin en contractant les fessiers. Donc, on engage les muscles des fessiers. On soulève le bassin aussi haut qu'on est à l'aise d'aller, sans pousser la note, sans exagérer. Et on revient doucement au sol avec beaucoup de contrôle. Alors, on va faire des mouvements comme ça de haut en bas. On engage les fessiers, on engage également les abdominaux. Donc, on venait rentrer un peu le nombril en tout temps. Excellent. Donc, on devrait sentir un effort, comme je disais tantôt, au niveau des fessiers, de l'arrière des cuisses. Voilà. Et je vous rappelle qu'on peut, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, si jamais vous trouvez que c'est un peu exigeant, même trop exigeant ou peut-être même inconfortable, vous pouvez pratiquer l'exercice à plus faible amplitude. Donc, on va aller un peu moins haut. Simplement décoller un peu le bassin du sol et retourner sur le sol. Super. Maintenant, pour la prochaine variante, Isabelle va utiliser un dossier de chaise comme appui. Vous pouvez utiliser un meuble à la maison, il n'y a pas de problème. Donc, on va être en équilibre sur une jambe. La jambe va être légèrement fléchie, donc au niveau du genou. Et on va venir faire ce qu'on appelle une arabesque. Donc, on va venir pencher vers l'avant en s'appuyant. L'autre jambe part vers l'arrière. Et on revient redresser le tronc à la verticale.
Donc, on pousse la jambe vers l'arrière. Regardez la jambe au sol qui demeure fléchie. Donc, le genou est toujours un peu fléchi. Et on fait les allers-retours comme ça. Alors, plus on incline, plus on descend dans ce mouvement-là, plus ça va être exigeant. On peut commencer avec une petite amplitude de mouvement. Donc, juste pencher un peu, reculer un petit peu la jambe, comme c'est ici, tout simplement. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, même, on pourrait se débarrasser de notre appui, donc le faire en équilibre. Là, je vous dis tout de suite, c'est pas évident. C'est un bon défi quand même. Donc, on essaye ça, Isabelle. Alors, on vient incliner doucement vers l'avant, en équilibre. C'est ça. Isabelle place ses mains un peu en avion pour se donner de l'équilibre. C'est parfait. On incline et on redresse. Donc, on devrait sentir vraiment un effort derrière la cuisse, au niveau du fessier et du bas du dos. Alors, on va pratiquer ça ensemble, tout le monde à la maison. Donc, je vous laisse choisir votre variante. Isabelle, tu vas retourner au sol. Moi, je vais essayer de le faire sans appui, mais n'hésitez pas à la maison. Prenez un appui si vous pensez que ça va être trop difficile. Il n'y a pas de problème. OK. Donc, vu que c'est un nouvel exercice, on va en faire seulement 10 répétitions aujourd'hui. On fait quand même 2 séries et on termine avec ça aujourd'hui. Donc, ça devrait bien aller. Alors, attention, on y va, Isabelle, dans 3, 2, 1. C'est parti. Donc, tout en douceur. Et 1. Deux. Alors, pour celui-ci, la respiration va aller comme suit. On va descendre et inspirer. Et on va aller expirer sur la montée, sur la remontée. On continue, ça va bien. On est à 5 répétitions. Oups. 6, j'ai failli perdre l'équilibre, moi, là. On continue. 7, 8, 2 autres, 9 et une dernière, 10. Parfait. Alors, ceux qui utilisent la variante d'Isabelle au sol, on va refaire la même chose pour la deuxième série. Ceux qui ont utilisé ma variante, on va aller changer de jambe. Donc, on s'appuie sur l'autre jambe et puis on va faire tout ça pour encore 10 répétitions. Donc, êtes-vous prêts? Isabelle, tu es prête? On y va, série numéro 2 dans 3, 2, 1, c'est parti. Isabelle y va avec une amplitude plus restreinte un petit peu. Et 1, 2, 3, 4, ça va très bien, on continue. 5, 6, encore 4, 7, 8, on va l'avoir, 9 et une dernière pour 10. Excellent tout le monde, c'est bien. Parfait Isabelle, tu vas pouvoir te relever. Parce que là, on a complété nos efforts de musculation et on va être prêt pour le retour au calme. La partie préférée. Prenez le temps de marcher un petit peu, prendre une gorgée d'eau, respirer. Aujourd'hui, dans le retour au calme, on va travailler encore la respiration, mais on va amener un autre type de respiration, en fait. Vous connaissez bien les séquences, vous pouvez continuer à les pratiquer si elles vous aident, mais maintenant, on va travailler une respiration qui est dynamique, qui va amener une certaine mobilisation au niveau thoracique. Ça peut parfois aider des gens en contexte de douleur au niveau des épaules, au niveau thoracique. Donc, Guillaume va la pratiquer assise. Et moi, je vais continuer, étant donné que j'ai le micro, je vais continuer à pratiquer la respiration comme la semaine passée, en fait, celle qu'on vous a montrée au niveau de abdominal, en mettant ma main sur l'abdomen. On va y aller par séquence de 3. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'enseigner, Guillaume, avant que tu la fasses. Donc, Guillaume va mettre du mouvement dans la respiration au niveau du haut de son corps. Ce qu'il va faire, c'est que pendant la phase d'inspiration, il va allonger les bras devant lui et en même temps, il va fléchir la tête au moment de l'expiration. Voilà. Et le haut du corps. Et il inspire au retour. Et il expire, il fléchit le haut du corps, la tête, sans forcer. Seulement qu'est-ce qui est permis dans l'exercice. Et expire au moment de l'allongement. Excellent. Encore une fois, c'est important de respecter votre amplitude. Donc, ça pourrait être fait avec beaucoup moins d'amplitude.
juste trouver qu'est-ce qui va soulager, en fait, dans votre dans les douleurs que vous avez. Donc, ne pas augmenter les douleurs que vous avez déjà. On y va ensemble pour trois respirations. On commence par vider complètement notre air. Et on inspire, on gonfle. Et à l'expire. Et on inspire. Et expire. Et inspire. Expire, allonge. Et respiration normale. On va refaire une deuxième séquence, mais prenez le temps de respirer normalement. Il est possible que ça vous ait un peu étourdi. Il est possible que vous ayez eu peut-être un petit peu de douleur, des nouvelles apparitions dans les épaules. Donc, juste ajuster votre amplitude pour la deuxième série, pour ceux qui faisaient le même exercice que Guillaume. Cet exercice-là pourrait se faire aussi debout, pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui ont pratiqué la respiration abdominale, n'oubliez pas de garder votre focus sur votre abdomen à l'inspire et à l'expire, de ressentir le ventre qui s'abaisse. Allez-y aussi à votre rythme, c'est important. On se prépare pour une deuxième série. Donc, on commence par vider les poumons, on expire. Et on inspire, tout le monde ensemble. Expire. On allonge. Inspire. Remplis les poumons. L'abdomen. Expire. Et on inspire. Et expire. Et on respire normalement. Prenez le temps de bien vous ajuster. On va y aller pour une dernière série, histoire de bien relaxer tous les muscles. Pendant la phase d'expiration, pensez aussi à relaxer, à relâcher les épaules, relâcher tous les muscles qui ont été contractés aujourd'hui. Et on se prépare pour la dernière série. Donc, on expire, tout le monde, et on inspire, tout le monde ensemble. Et on expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et respiration normale. Bravo tout le monde pour votre pratique. J'espère que vous avez apprécié. Et je vais laisser le mot de la fin à mon collègue Guillaume et on vous revoit la semaine prochaine. On va prendre votre période de questions. Oui, donc on vous recommande de faire les exercices à tous les deux jours si possible, donc environ trois fois par semaine. Alors, on se laisse une journée de repos avant de les refaire. On va être de retour la semaine prochaine avec la nouvelle théorie, des nouvelles variantes d'exercices. Et puis, on veut savoir comment ça s'est passé, donc n'hésitez pas à nous laisser savoir dans le chat. Si vous faites les exercices, si vous avez des questions, d'ailleurs, on va pouvoir, s'il y en a, prendre quelques questions aujourd'hui. On va voir avec notre collègue si c'est le cas. Et puis, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Donc, le but, c'est vraiment de se garder actif durant cette période de confinement. On sait qu'on va probablement faire moins de déplacements un petit peu. Donc, il est possible de bouger à la maison et c'est assez simple de le faire. Donc, on lâche pas tout le monde. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pas pour le moment, je pense bien. Les gens sont contents, excellent, merci. Il n'y a pas de problème. Donc, probablement qu'on a été assez clair, ça fait. Alors, Wiza? Oui, n'hésitez pas. On parlait de recommandations trois fois semaine aux deux jours. On parle aussi de notre thématique cette semaine qui est la douleur. N'hésitez pas à prendre trois jours de repos s'il le faut. Ça peut être normal dans un contexte de douleur et très correct aussi. Donc, allez-y à votre rythme, c'est ce qui est important. Rappelez-vous que les douleurs de courbature vont être de moins en moins prononcées. Et merci beaucoup. Alors, portez-vous bien tout le monde et à la semaine prochaine. Bon entraînement. Bon entraînement.